Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle update manga et il y a quand même une série qui prédomine. En fait j'ai trois titres à vous présenter. Le premier que je vais vous présenter c'est Plume, un amour de chat de Oshino Natsumi aux éditions Soleil Manga, donc c'est un manga pet. C'est... Ah non, pardon, parce que on spoil un micro chapitre. Là. C'est un manga pet, c'est-à-dire que c'est un manga sur les animaux. Alors, il faut savoir que j'ai adoré ce premier tome, je l'ai trouvé très mignon, mais aussi très drôle, très intéressant, très sympathique. Je voulais au début le comparer à Chi, une fille de chat, et en fait je pense qu'ils sont pas vraiment comparables, parce que dans ce manga-là, donc on va suivre Plume, qui est donc le chat sur la couverture, qui un jour va trouver une espèce de boule de poils noirs qu'elle va ramener à sa maison, et en fait il s'avère que c'est un autre chat, un petit chaton, qui va lui mener une vie d'enfer. Voilà. Et en fait le truc c'est que Plume ne parle pas. Et du coup c'est ce qui rend ça bien plus magique et bien plus expressif que Chi. Parce que Chi, je sais pas si vous connaissez, c'est pareil, c'est l'histoire d'un chat, sauf qu'on a les pensées du chat. Et là en fait le truc c'est que Chi et Plume, on n'a pas ses pensées. Je vais essayer de vous retrouver une image. Du coup par exemple voilà, son expression et ce qu'elle pense se lit sur son visage de chat, ce qui est beaucoup plus expressif, naturel et instinctif. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce manga, je vous avais dit en boucle que je savais pas si je le continuerais. Maintenant clairement je sais que je continuerai parce que c'est une vraie bouffée de petit bonheur et tout ça. Je trouve ça vraiment trop mignon et justement le fait que Plume ne parle pas ou que l'autre chat ne parle pas, ça fait qu'on se lit vraiment tout dans leur visage. Et en fait les seuls personnages qui parlent c'est les deux maîtres, puisque Plume habite chez, enfin dans une maison où il y a une mère et son fils. Et j'ai vraiment kiffé, hein. Je l'ai eu extrêmement rapidement et j'ai vu une boubouille de chat. Oh regardez-moi ça. Oui je suis gaga des chats. Mais voilà, c'est beaucoup trop mignon et voilà, le fait qu'il n'y ait pas de paroles de chat, il y en a que très peu à la fin, il y a des toutes petites aventures et là, à ce moment-là, oui, on entend les pensées des chats. Et c'est pas forcément ce qui est le mieux, moi personnellement, je préfère le reste. Donc du coup, ben voilà, je rajoute une série à ma longue liste de séries en cours. Ensuite, je me suis lu le tome 11 de My Hero Academia de Koei Horikoshi, donc aux éditions Kiyun. Donc, sans spoiler tout ça, les élèves de UA, principalement les deux secondes héroïques, académiques, héroïques je crois, les profs ont décidé de leur faire passer leur permis d'utilisation de pouvoir, enfin d'alter, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leurs alters en dehors de l'école et en dehors de quand les profs leur disent. Bah, disons que comme ils se font attaquer toutes les 4 matins, c'était la bonne décision, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand tu peux pas utiliser ton alter et qu'il y a un méchant qui a essayé de te refaire la face, c'est un peu compliqué, hein, petit peu. Voilà, donc là on se retrouve à l'examen. L'examen va mêler plusieurs écoles, puisqu'en fait c'est un genre d'examen central, et plusieurs écoles avec, alors je crois qu'il y a justement, il y a les secondes de UA, il va y avoir des premières et je crois peut-être des terminales d'autres lycées parce qu'il n'y a pas que UA en lycée héroïque. Donc du coup ils ont essayé de passer cet examen et j'ai bien kiffé. Franchement c'est vraiment super cool, toujours plein d'action. J'ai toujours qu'une seule hâte, surtout quand je vois les combats, ils sont magnifiques en dessin. C'est une illustration comme ça qui se paye pas. Ils sont magnifiques en dessin mais je me dis en animation ils doivent être tellement géniaux. Voilà, donc là on va être sur bah, de nouveau un examen, je trouve que ça ressemble entre guillemets un petit peu au truc sportif qu'on avait eu un peu avant, mais assez différent. Puisque du coup là on a de nouveaux entre guillemets jeunes qui viennent s'affronter avec, donc du coup, pour un examen, pour le... Oula, je suis perdue, donc pour l'obtention du droit de la terre. Mais du coup, nous on connaît les haltères de ce duel. Tout le monde connaît les haltères de ce duel parce qu'ils sont passés à la télé tout le temps. Mais on va découvrir de nouveaux haltères. Et ça, je trouve ça trop cool, les nouveaux haltères. Voilà. Donc franchement, j'ai super kiffé. J'attends le tome 13 avec grande impatience. Et ensuite, vous y attendiez. Ils sont pas dans l'ordre. Ils sont pas dans l'ordre? Pas du tout. Donc pour faire un récap, j'ai lu du tome 12 au tome 16. J'ai emprunté le tome 12 à la bibliothèque parce que je ne l'avais pas. Donc je me suis lu tous les 7 Deadly Sins que j'ai.
On peut clairement dire qu'ils ont fini un arc et qu'ils en commencent un nouveau. Je sais pas trop si j'ai envie de vous dire quel est le nouvel arc parce que j'ai peur que ça spoil des gens. Mais en gros, ils ont une nouvelle menace à affronter et ils sont dans la merde. Généralement, c'est comme ça dans les shonen. C'est tu as réglé un truc, il y a un nouveau truc qui veut te buter. Voilà, il n'y a pas trop de choix. Voilà, il y a de plus en plus de secrets et tout ça. Alors, on a découvert le passé de Ban, de Jan. Le passé du mec chelou là. Qui s'appelle comment? Gülter. Gülter, c'est l'un des Seven Deadly Sins. Enfin, on connaît son passé. On a des petites pistes qui commencent à arriver. On a su un gros truc sur lui. Voilà, j'ai trouvé vachement intéressant. J'ai très hâte d'avoir la suite. Donc je pense que je vais l'emprunter. Il y a un méga cliffhanger à la fin de la 16, bien sûr, évidemment. Voilà, donc du coup, nouvelle menace, nouveau surpouvoir cheaté, généralement, parce que tu n'affrontes pas quelqu'un qui est plus faible que l'ennemi précédent. Sinon, on a mal compris les règles du shonen. Voilà, il y a aussi beaucoup de mystères, beaucoup de, entre guillemets, de, on va essayer de résoudre un petit peu les mystères qu'on a disséminés par-ci par-là. Et voilà, on a pas mal de quelques réponses et je trouve ça génial. J'ai totalement accroché à des Seven Deadly Sins. Je trouve que ce manga est génial, les arcs sont intéressants, les personnages sont cool et j'ai eu chialer quand même. Un petit moment, il y a eu un truc pour ceux qui l'ont lu. Je sais plus si c'est tome 13 ou 14. Où il y a eu un petit truc, du genre calciné noir, ceux qui savent. Et ça a fallu. Voilà, hein, on dira pas plus. Voilà, sincèrement, je vous recommande Seven Deadly Sins si vous aimez. Je vous ai dit que c'était Nabureka Suzuki, aux éditions Pika. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Donc, oui, donc je vous recommande Seven Deadly Sins si vous aimez les shonen. Alors, si vous aimez les shonen avec des pouvoirs surpuissants, hein, surcheatés et tout, avec pas mal de mystères et des personnages. Alors, il y a beaucoup de personnages. Mais des personnages vachement cool, vachement attachants. Voilà, moi là je crois que la seule qui me saoule un peu c'est Jericho là. Là Jericho elle entre dans un terrain interdit de l'enfer là. C'est-à-dire que pour moi elle s'avance vers le chemin vertueux des personnages que je vais commencer à détester. Hein. C'est-à-dire qu'elle a commencé à faire des trucs que je suis en mode... Non, tu fais pas ça. Tu recules, tu retournes, tu vas ailleurs, tu fais autre chose. Voilà. Mais franchement j'adore Seven Deadly Sins donc je vais... clairement aller m'emprunter la suite parce que j'ai un peu la flemme de les acheter tout de suite, du coup bah, je vais les emprunter. Sur ce, j'espère que l'update vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'une de ces séries et n'hésitez pas non plus à me dire quelle est votre dernière lecture et puis moi je vous laisse, à dans une prochaine vidéo.